Bonjour. Bonjour. Émission solidaire d'abord. On va ailleurs, hein, on peut plus faire ça à Fréquence 7 dans les studios de Fréquence 7, mais on a toujours autant de choses à dire. Ça ne change rien. Sur toutes les dérives de l'État, parce que plus ce pouvoir se resserre aux mains de quelques-uns, mais de moins en moins de quelques-uns, voire d'un seul, puisqu'on a un seul chef, là, maintenant, hein, qui nous explique que lui, il domine et il maîtrise tout. Déjà, avec le Conseil de défense, déjà, c'était que quelques-uns. Mais alors là, maintenant, c'est encore moins de personnes. Enfin, les lois dérivent. Alors, c'est lois sécuritaires, etc. Mais la justice dérive aussi, puisque on a eu un jugement pour Servier sur le Médiator, et donc ce jugement, on a l'impression que c'est comme d'habitude, on laisse faire un peu n'importe quoi. Alors, il y a eu plein de scandales avant, hein. Et là, on se retrouve avec le Médiator, où carrément Monsieur Servier nous dit « on s'en fout ». Ça, c'était en 2013, au moment où le procès allait se mettre en branle, où tout l'appareil judiciaire allait se mettre en branle par rapport au Médiator. Il a quand même été capable de dire « on s'en fout du procès ». Alors, il savait qu'il allait mourir relativement rapidement, mais quand même, voilà, c'est fou, quoi. Et à la barre au tribunal, 12 ans après l'éclatement de l'affaire du Médiator, on se retrouve avec Jean-Philippe Seta, qui est le repreneur, enfin, qui est celui qui a succédé à Servier, qui se retrouve avec 4 ans avec sursis. Donc, en fait, ça va, quoi. Oui, oui, c'est 4 ans avec sursis. Pour les seins contaminés... les politiques n'ont rien eu. Hein. Voilà. J'attendais ça tout à l'heure, voilà, que tu me dises le sang contaminé, mais oui, non, mais le sang contaminé politique n'a rien eu. Le ministre de l'époque, ben oui. Pour l'amiante, c'est pareil, on n'a pas eu grand-chose. Hein. Oui, et là, on se retrouve quand même avec un truc, il faut un tout petit peu le décrire, c'est que, en fait, le Médiator, il a sévi de 1976 à 2009. Donc, voilà, ça a duré quand même un sacré temps. Au début... à leur décharge, ils savaient pas que le Médiator pouvait causer des gros troubles. Mais en fait, relativement vite, ils l'ont su, puisque à partir de 95, les laboratoires Servier savaient que le Médiator a mené des gros problèmes cardiaques. Mais c'était pareil pour le sang contaminé. Ils le savaient, ils l'ont exporté là-bas en Afrique. L'amiante, on savait que c'était dangereux de le retrouver dans des produits comme les tôles canalites. Mais ça n'a pas empêché qu'on a continué à en faire jusqu'à ce que ce soit vraiment interdit. C'est quand c'est interdit qu'on arrête, mais tant que c'est autorisé, on continue. Voilà. Et donc, à partir de 95, les laboratoires avaient conscience des risques qu'ils faisaient encourir aux gens, aux patients, avec le Médiator. On se retrouve avec plein de gens qui sont, au moment du tribunal, dans la salle du tribunal, qui ont des cicatrices absolument énormes parce que on les a complètement ouverts là pour arriver à leur changer des parties cardiaques, voire le cœur en entier, hein, en leur mettant des cœurs artificiels, enfin bon, etc. Et en face, le mec il se prend 4 ans avec sursis. Voilà. Oui. Et donc les gens sont indemnisés avec 180 millions d'euros. Alors on se dit putain, c'est une somme colossale, 180 millions d'euros, sauf que ils sont 6000 plaignants, hein, et encore ils ont réussi à faire qu'il y a plein de gens qui ont souffert de Médiator qui ne sont pas dans les plaignants, pour cause, ils sont déjà morts. Oui, oui, oui. Bon, et eux, pendant ce temps-là, ils ont fait quand même 4 milliards de bénéfices, quoi. L'année en question, hein, voilà, ils font 4 milliards de bénéfices. 4 milliards 7 chiffres d'affaires l'an dernier du laboratoire Servier. Voilà. Donc, oui. Justice à deux mesures, à deux vitesses, comme d'habitude. Voilà, tout à fait. Alors, il y en a d'autres des justices à deux vitesses. Ah ben oui, là il y a Rémi Fraisse là qui était pour quand ça bardait là-bas pour les. À Sivens. Voilà, Sivens, ils voulaient se faire des lacs collinaires et des retenues d'eau là. Donc il y en a qui n'étaient pas du tout d'accord parce que ça allait dénaturer le terrain. Donc il y a eu de grosses manifestations de locaux surtout, plus des zadistes qui étaient venus. Et il y a une grenade qui a été lancée une grenade offensive qui a été lancée par un gendarme qui a atterri entre la nuque et le sac à dos de Rémi Fraisse, qui tournait le dos aux gendarmes, donc il n'était pas dangereux. Comme tu disais, c'est arrivé en cloche. Voilà, c'est arrivé en cloche, voilà. Oui, hein, oui, c'est lancé comme il faut, donc comme quoi, même le comme il faut, voilà. Voilà, même quand on lance dans les normes de sécurité, on va dire, il peut y arriver à avoir des morts, la preuve. Voilà. Et il tourne le dos, donc il n'était pas dangereux, c'est... Ton nono était à 10 mètres du gendarme, donc c'est pas... Mais voilà, il a trouvé ça, le gendarme, il a balancé. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, ben, acquitté. Acquitté, alors. Qui c'est qui est acquitté? Toute la hiérarchie. Le gendarme, le préfet. Voilà, celui qui commandait les... Le ministre de l'Intérieur. Oui, celui qui commandait la contre-manifestation, les gendarmes sur place, le préfet, tout le monde a été... Et le Premier ministre, Manuel Valls, voilà. Et tous ces gens-là avaient demandé une fermeté particulière. Voilà. Oui. Mais ils sont tous acquittés. Voilà. Et on continue à avoir comme norme, il faut lancer en cloche. Voilà. Mais alors là, maintenant, ils ne changeons rien. Non, maintenant, c'est des pros, parce que depuis la balance, là, maintenant, ils sont au point. De ce côté-là... Alors bon, justice qui part complètement de travers, mais voilà, alors on pourrait dire, bah Servier c'était il y a 10 ans, tout ça, Rémi Fraisse c'était il y a longtemps et tout. Ah oui, mais Ferrand là. Ah ben Ferrand c'est pareil, hein, c'est un peu bizarre, mais bon. Alors Ferrand, il était dirigeant au Mutuel de Bretagne et il a réalisé une opération immobilière au profit de son épouse. Et en fait, cette transaction, c'est valeur quand même de 600 000 €. Ah oui, c'est pas petit truc. Voilà. Et en fait, voilà quoi, il a été, lui c'est pareil, hein, la justice elle est pratiquement inexistante dans son cas, hein, parce que il fait quand même une grosse faute quand même. Mais ouais, il est prescrit. En fait, voilà, il y a prescription. Prescription. Ah, donc l'avocat a beau dire que son client était dans le droit, son client était du côté du droit, en fait. Il est du côté du droit parce qu'il y a prescription. Voilà, parce qu'il y a prescription. Alors, ça dépend de comment on le voit, mais bon... Mais en fait, tu tapes sur la tête à quelqu'un... T'attends la prescription et hop, t'as rien fait. Voilà, c'est ça. T'es du bon côté. C'est ça. Après, du coup, tu es dans le chi, tout neuf. Mais prescription, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu fraude. Ouais. Prescription, ça veut dire que les délais sont dépassés. Ouais, mais là, Anticorps, ils ont relancé le. Anticorps, c'est la lutte anticorruption. Donc Anticorps a fait un appel. Voilà. Oui. Ils ont été prolongés déjà. Ouais. Parce que leurs 2 ans arrivés à terme, donc et ça dépend du gouvernement, Jean Castex aura prolongé, et là... A prolongé Anticorps, donc c'est reparti pour 2 ans, et maintenant, Anticorps, lui, il ne s'est pas laissé intimider, il remet en question le jugement sur Ferrand. Et donc pour Ferrand, c'est vachement dur, parce qu'on va rentrer en période électorale, alors comment il va faire, le pauvre homme ? Il ne faut pas oublier que Ferrand, il est au perchoir, c'est le deuxième... politique de la nation, c'est-à-dire que s'il arrive quelque chose à Macron, c'est lui qui devient... Non, normalement c'est le président du Sénat. C'est le troisième homme de la nation. Oui, mais enfin, quand même, c'est quelqu'un qui est important dans la hiérarchie du gouvernement. Alors, hiérarchie du gouvernement, là, tu es en train de nous parler de comment ça fonctionne, en fait, ce gouvernement à l'heure actuelle. Mais, en fait, on a un surhomme. Tu savais pas, toi, qu'on avait un surhomme. Ah oui, si. On a un surhomme, et c'est Blanquer qui le dit, c'est pas n'importe qui, quand même. Il nous explique que, épidémiologiste en chef, monsieur Macron, est capable, parce que le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires, nous dit Blanquer. Et en plus, il dit « ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne hein ». Alors là, on a quand même un surhomme, quoi. Et au regard du temps important qu'il a consacré à tous ces sujets, avec son intelligence, il maîtrise. Donc le mec, en 3 mois, il a fait ce que les autres font en 10 ans d'études, mais ça y est, il maîtrise. Au début, il y avait le conseil scientifique qui était écouté, et après, il n'a plus besoin du conseil scientifique. Voilà. Donc, par rapport à ce que tu disais sur le fait qu'à un moment donné, il y a tout un ensemble de prérogatives qui sont données par un conseil privé qui choisit pour nous, en fait, le chef de guerre est là. Oui. Voilà, et il fait pour nous. Alors, bon, il y a des gens, à la suite de ça, à la suite des déclarations de Blanquer, qui ont dit, oh bah oui, mais tant qu'à faire, vous pouvez en rajouter sur tout ce qui est capable de faire Monsieur Macron. Oui, voilà. Tu savais pas, enfin, il y a plein de trucs. Quand Emmanuel Macron va chez le médecin, par exemple, c'est parce que c'est le médecin qui est malade. Ah, c'est le médecin qui est malade. Ouais, c'est pas Macron. Et puis la seule fois de sa vie où Emmanuel Macron a fait une erreur, c'est qu'elle a cru qu'il s'était trompé. Ah, il a cru qu'il s'était trompé une fois. Ah ouais. Voilà, le pauvre. Mais c'était une erreur. Ouais. Voilà. Ouais. Oh, puis on peut dire aussi que le seul truc qui arrive à la cheville d'Emmanuel Macron, c'est sa chaussette. D'accord. Ouais. Alors, vous voyez, donc en même temps, le problème du en même temps, justement, c'est que M. Macron joue les chefs de guerre. Donc au Mali, il s'est passé des choses, alors ça a été dénoncé, puisque le 3 janvier, on a eu apparemment un gros couac, hein, il y a eu un bombardement qui s'est passé au Mali. Et alors, on pourrait très bien dire que ben forcément, quand on est dans des faits avec l'armée qui est en cause, il peut y arriver des couacs, ils peuvent essayer de bien faire, tout ça. Mais ça va loin, parce que en fait, petit à petit, il y a plein de soupçons qui tournent autour de cette armée française qui se retrouve au Mali. C'est-à-dire qu'ils sont soupçonnés, effectivement, d'être là, pas que pour empêcher des forces genre Al-Qaïda, etc., mais ils sont là aussi pour soutenir des chefs d'État un peu nauséabonds, quoi. Hein, oui, il faut un peu douteux. Voilà, un peu douteux. Alors, deux versions s'opposent sur le bombardement qui a eu lieu le 3 janvier. Et donc, il aurait été peut-être bienvenu qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire qui se saisisse de tout ça et qui fasse la lumière sur est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé sans qu'on puisse le maîtriser vraiment, ou est-ce que ça a été un peu prémédité. Tu disais, il me semble, Marie-Claude, que donc c'est un mariage qui a été bombardé. C'était un mariage et ils ont dit, il est dit que dans ce mariage, parmi les gens qui étaient là, il y avait 4 personnes qui étaient d'Al-Qaïda. Et donc ce serait pour ça qu'ils ont attaqué, mais on sait pas dans quelles conditions exactement, ni s'ils étaient. Oui. Enfin, moi j'ai lu nulle part qu'ils étaient armés ou quoi que ce soit, mais bon voilà. D'accord. Je sais pas. Donc il va falloir commencer à se méfier des gens qu'on invite au mariage. Si jamais le mec c'est le beau-frère de la belle-sœur d'un mec qui est chinois, oula, attention parce qu'il a peut-être le Covid, ouais, ou peut-être c'est lui l'instigateur de je sais pas quoi. Mais c'est toujours compliqué quand il y a l'armée au milieu, c'est la grande muette, c'est voilà. Sa réputation, la tienne là, c'est très compliqué, il n'y a rien qui transpire. C'est tout secret défense, c'est tout verrouillé, et le président de la République, grand chef des armées, est là pour veiller et protéger son armée. Ouais. Alors, tu avais un autre sujet, c'est ce qui se passe en mer de Chine. Alors, je crois que en mer de Chine, on va faire des observations pour le compte des États-Unis, non? Enfin, je sais pas, il y a des questions. Je sais pas, la France, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas avec ses bateaux pour faire la cartographie des fonds marins vers la Chine. Est-ce que c'est pour l'ONU? Est-ce que c'est pour l'OTAN? Est-ce que c'est... On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-bas? Ils sont intéressés par les grands fonds de la mer de Chine. Oui, sûrement, oui. Ouais. Mais là, de l'observation. Oui, mais là, le ministre des Armées françaises a dit qu'il ne fallait pas s'initier entre les rivalités américo-chinoises. Déjà, on a bien aussi à se faire entre Européens et Chine, donc sans aller voir les Américains. Déjà, on est déjà en conflit et des menaces qui tout doucement se précisent contre des restrictions ou des saisies d'avoir de 4 Chinois sur les biens en Europe. Enfin bon, on est déjà, nous, impliqués, enfin Français, Européens, on est déjà impliqués dans des conflits avec les Chinois qui sont plutôt du style envahisseur, on va dire. Alors oui, mais alors qu'est-ce qu'on va faire dans la mer de Chine si on n'a rien à y faire, hein, puisque si j'ai bien compris ce que tu dis, la ministre dit qu'on n'a rien à y faire. Ouais, on le saura plus tard. Quand ça va sortir, on saura pourquoi, quelles sont les affaires là-bas. Ouais. Mais bon, pour le moment, Alors, un petit temps sur le séparatisme, puisque c'est quand même quelque chose qu'on nous a expliqué, là, qu'on a fait une loi séparatisme. Alors, théoriquement, c'est sur la religion, mais on peut se poser la question, séparatisme de quoi? Parce qu'on a l'impression que, de toute façon, ce gouvernement, il sépare tout. Hein, on est tous séparés maintenant. Hein, les riches sont séparés des pauvres, les entreprises sont séparées, les covidés. C'est un peu normal, ils s'attaquent à tout. Donc à un moment, on est tous séparés. On est tous séparés. Mais régner pour diviser. Oui. Régner pour diviser, monter les gens les uns contre les autres. Diviser pour régner. Diviser pour régner, oui, on monte les uns contre les autres, on monte les fonctionnaires contre les privés, on monte les retraités contre les actifs, on monte les chômeurs ou les chômeurs contre ceux qui travaillent, on dénigre, on stigmatise, c'est lamentable. Et maintenant, c'est les religions avec l'islamo-gauchisme. Oui. On monte une religion contre... Enfin, on monte les gens contre une religion en la montant du doigt, en la faisant passer pour les pires choses. Pourtant, on a l'enlèvement balayé devant notre porte et nous aussi, on a nos intégristes. Enfin, la religion catholique, chrétienne, a ses intégristes. Et ces dérives. Et tu sais que les intégristes en question, quand ils vont faire leur messe sans masque, eux, ça va. Ouais. Quoi. Oui, mais même toutes les régions, la région juive, là, on voit les rabbins et compagnie, avec les bonhommes avec leurs bouclettes là, qui dépensent leurs joues. Eux aussi, ils ont leurs intégristes, eux aussi, ils ont leurs intégristes. Donc toutes les religions ont des intégristes, maintenant plus ou moins violents, plus ou moins contrôlés, plus ou moins... avec des financements de notre État. Mais toutes les religions, il ne faut pas jeter la pierre à une religion. C'est toutes qui peuvent faire le ménage, qui peuvent faire le ménage chez elles. Ouais, d'accord. Donc sur le séparatisme, tu n'avais pas un truc particulier à nous dire à un moment, il me semble que tu voulais... Non, c'est bon. Oui. On est bon. Alors après, ce qui nous reste, j'oublie rien. On va parler de la police. Ah, bon, là c'est le sujet sans fond. On a eu 12 commissaires qui viennent d'être nommés, 12 commissaires qui sont nommés par Darmanin pour, devinez quoi ? De la com. De la com. Des commissaires pour la com. Pas communard, hein. Non. Alors là, beaucoup s'en faut. Donc, ces commissaires sont là. Pourtant, il y a plein déjà de flics qui sont dans la com. Hein, Et là, en fait, c'est peut-être parce qu'on rentre en période électorale pour nous faire passer Darmanin pour un super. Mais on ne sait pas si ces 12 commissaires ont été nommés en plus ou s'ils sont pris dans d'autres services pour venir là. En tout cas, ils sont là pour faire de la com, pour montrer la police sous ses beaux jours et que les Français en ont besoin. Alors, la police est quand même capable de faire des choses très intéressantes pour protéger les gens, bien sûr mais elle se mêle aussi de certaines choses où c'est quand même assez ahurissant. Par exemple, donc à Fakir, ils ont fait un film sur Bernard Arnault. Hein, c'est ce film-là, Merci Patron, qui a été fait. Et au moment où ce film était fait, on a quand même les services de la police payés. Par qui ? Payés par nos impôts, hein, qui sont allés envoyer des taupes, c'est ça ? Oui, il y a eu 2 taupes chez Fakir pour espionner l'avancée du film. Et ils sont arrivés à prendre le film avant qu'il paraisse pour le montrer à Bernard Arnault pour qu'il puisse contre-attaquer. Contrer ce que le film démontrait. Donc je ne sais pas si les gens l'ont vu, mais c'est un film, c'est pour dénoncer les dérives du grand capitalisme, c'est ni plus ni moins, et c'est montrer le grand capitalisme dans tous ses travers. Des gens qui ont été nommés pour aller faire ça, entre autres, dans le coup, il y avait Scarsini, hein, le gars qu'on appelle le squal, là, qui a quand même été un grand flic de la République. Hein, donc voilà, il y a des collusions qui sont quand même très très curieuses, quoi. Hein. Et le mec qui est allé faire ses intrusions chez Fakir, donc il y allait en tant que bénévole, et lui, il n'était pas bénévole. Hein. Voilà. Mais quand même, ça coûtait à Bernard Arnault, c'est une bagatelle pour lui, 2,2 millions d'euros quand même. Ouais. C'est quand même pas... Pour le citoyen lambda, ouais. Il ne verra jamais ça de sa vie. Et ça lui a coûté... Alors, le temps qu'ils rincent tout le monde, parce qu'ils étaient quand même... il y avait un paquet de deuxième couteau, on va dire. Et le temps qu'ils rincent tout le monde, ouais, mais ça lui a coûté quand même à Bernard Arnault. Tout ça pour savoir pour un film. La peur de choses qui allaient sortir dans le film. Il a investi quand même 2,2 millions d'euros pour enquêter contre un film que sortait Fakir. Ouais. Avec Ruffin et Gilles Perret. Donc c'est la preuve qu'ils n'ont pas toujours sur leurs deux oreilles et qu'ils sont quand même inquiets de ce qu'on peut dire sur eux. Ouais. Bon voilà, il nous reste un autre sujet, c'est les drones, tu en as déjà un petit peu parlé à des moments, mais là ce serait bien d'aller un peu au bout. Alors avec ces drones, on est... en fait, oui, ben, la France a commandé des drones pour 4 milliards d'euros. En fait, c'est l'article 22 de la loi sécurité globale. Hein. Article 22, oui, on parle beaucoup de l'article 24, mais dans l'article 22... Voilà, et dans l'article 22, c'est les drones. Et donc, les drones, eh ben, c'est en fait... moi, ça m'inquiète un peu, parce que quand même, ces drones vont survoler à tout moment, ils pourront survoler ta maison, voir chez toi, enfin bon, te filmer, prendre les identités des gens. Par contre, en manifestation, on voit bien que nous, on n'a pas le droit, en fait, n'importe qui est en manifestation n'aura plus le droit de filmer les policiers. Mais donc ces drones, eux, ont tous les droits. Ils filment ta vie, prennent des images sur toi. Donc, voilà. Donc tout l'argumentaire qu'il pouvait y avoir à un moment donné sur les caméras, tu sais, de surveillance, où on disait, mais si vous avez rien à cacher, pourquoi? C'est pas gênant, hein, voilà. Oui. Mais nous, d'une manière générale, avec les drones, on n'aura plus rien à cacher, puisque de toute façon, on sera filmé en permanence. Mais les flics, eux, ils ont peut-être quelque chose à cacher. Voilà, mais d'un autre côté, si on n'a rien à cacher, pourquoi on nous filmerait? Voilà, pourquoi on nous filmerait? Mais les flics, par contre, là, eux, ils n'ont rien à cacher, mais on les filme plus. Voilà. Hein. Mais la loi est très floue. Là, ça va faire des procès qui vont plus en finir, parce que c'était très flou. Oui, mais le problème, si tu veux, c'est que je t'entends complètement sur le fait que ça va faire des procès, que tout ce que tu veux. Mais le temps que le procès arrive, entre-temps, tu auras été en garde à vue, toi. Tu te seras retrouvé pendant 2 jours à pas pouvoir te défendre, etc. Parce que la loi... et après, on interprétera la loi en disant « Ah ben, on fallait pas le mettre en garde à vue. Excusez-nous, monsieur. » Mais la loi encore le passé, le Conseil constitutionnel a été saisi. Ouais. Donc je pense que pour le moment ça va être peut-être un peu suspendu en attendant que le Conseil constitutionnel donne son rapport. Ouais, donc qu'est-ce qu'il va trancher, qu'est-ce qu'il va dire, on ne sait pas. Les drones étaient interdits, enfin, c'est le Conseil d'État. Là on entérine quelque chose, là on dit c'est bon, les drones vont pouvoir le Conseil d'État et voilà. C'est le Conseil d'État qui l'avait interdit, les drones au départ. Oui. Là, ils sont passés par la loi, mais maintenant, c'est le Conseil constitutionnel qui est saisi et qui va donner son avis là-dessus. Il peut très bien dire que c'est pas constitutionnel et casser la loi. Après, elle sera représentée sous notre forme, il n'y a pas de souci. Mais tu veux dire que des gens qui ont fait l'École nationale d'administration, l'ENA, ne savent pas que ça va être retoqué quand il faut une loi comme ça? Donc on comprend bien qu'elle soit supprimée. Heureusement qu'on en a notre grand timonier, notre grand guide. Promesse de campagne, oh là là, alors là c'est le top du top, on supprime l'ENA, promesse de campagne. C'est triste que ça soit que ça comme promesse de campagne. Qui sont tenues, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été tenues. Et par contre, alors on parlait du scandale du Médiator tout à l'heure, là, le glyphosate, c'était une promesse de campagne. Aussi. Mais par contre, il n'est pas supprimé. Non, mais là, c'est la pression de la FSEA. Ah, parce qu'il y a la pression. Le problème, c'est qu'il y a toujours des pressions. Oui, mais pour les betteraves sucrières, c'est premièrement pour les betteraviers, mais toute la filiale et toute l'exportation, c'est impressionnant le pognon et les enjeux économiques nationaux. Hein, c'est pas que le paysan qui plante ses graines de betteraves, c'est toute la filière qui est après et qui en vit et qui fait qui exporte donc des rentrées de devises. Et bon, c'est pas une raison, hein. Je ne veux pas dire que c'est une raison d'en arriver là. Il faut peut-être trouver d'autres solutions. Mais il faut, la pression, elle est là. Alors j'abonde dans ce que tu dis pour un dernier tout petit sujet que je vais essayer de faire court. On a trouvé que le chocolat était dans les produits essentiels, donc on n'a pas fermé tout ce qui était boutique qui ont trait au chocolat. Donc voilà, les gens ont pu avoir des vacances de Pâques avec du chocolat à la maison, hein. Avec leurs œufs. Oui. Et de la même manière, évidemment, l'entreprise Ferrero qui produit faite avec de l'huile de palme, etc. Donc le Nutella. Hein, alors théoriquement, ça devait être encadré par le fait qu'il y avait une amende de 900 € par tonne de produits. Voilà, parce que c'était voté à l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est l'annonce officielle. Et puis en fait, ces 900 € se sont transformés en 90 € par-dessous, quoi. Voilà. Surtout que bon, le problème des huiles de palme, c'est que c'est fabriqué, c'est des déforestations, c'est pas seulement l'huile de palme, c'est pas bon pour la santé, mais c'est toute la déforestation qui va avec l'agriculture de l'huile de palme. Et donc notre ministre Agnès Pannier-Runacher est allée visiter cette usine de Nutella qu'on a en France, parce qu'en fait en France on est les très gros consommateurs de Nutella. Allez, à bientôt. Allez, au revoir. Au revoir.